Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Tekkai en Normandie avec notre nouveau duc, le duc Errant. Un peu bizarre dit comme ça, mais... Qui est lui aussi duc de Normandie, duc de Haute-Bretagne, duc de Kent, duc de Somerset, mais qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors je vais essayer de faire des intros un petit peu plus courtes que d'habitude, hein, parce que c'est vrai que j'aime bien en général faire un petit point. Déjà je vous remercie pour tous vos commentaires que j'ai lus, répondus et que je vais essayer au maximum de prendre en compte. Alors, juste pour les petits changements que je vais faire rapidement, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Premièrement, alors oui, vous allez voir que j'ai des petites icônes de couleurs, ne réglez pas votre écran, tout va bien, c'est un petit mode qui s'appelle Colored Button. Ouais, mon anglais est magnifique. C'est pour ça qu'il est temps que je devienne indépendant, parce que moi et l'anglais... Enfin, l'oral, c'est pas ça. Du coup, qui colore un peu les boutons, ça permet un peu mieux de les distinguer, je trouve ça sympa, voilà, c'est petit plus. Donc, si vraiment vous le souhaitez, vous savez pas où le trouver, je peux vous donner un lien en commentaire ou dans la description, à la limite, vous me le demanderez, je le rajouterai. Bref. Donc, on peut passer un point dans plusieurs choses. Alors, j'hésitais avec la cavalerie, puisque je suis parti sur la cavalerie, ou le matériel de siège, ou l'organisation militaire. Après réflexion, j'allais partir en cavalerie, mais on m'a plutôt conseillé de partir sur l'organisation militaire, et je pense que c'est une bonne chose. On va augmenter le moral, on va augmenter l'escorte, donc on va le faire. Et du coup, le fait de pouvoir augmenter l'escorte fait qu'on est passé à 1200. Donc je peux prendre cette escorte-là. Je vais donc détruire cette escorte que j'avais commencé à créer. Pour prendre une escorte chevalier, qui est la meilleure. Voilà, donc on va repartir un peu à zéro, j'ai perdu un peu de temps là-dessus, mais c'est pas très très grave. Également, j'ai généré des nouvelles personnes, puisqu'on m'a conseillé de mettre un général normand à la tête de la cavalerie pour avoir plus de chances de déclencher une tactique de percée. En fait, c'est aléatoire, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai pas beaucoup cherché non plus, mais visiblement, on a des chances aléatoires selon le niveau du général de déclencher des tactiques de combat qui sont plus efficaces. Je remercie Slan d'ailleurs, alias 119, qui me, comme d'habitude, qui donne des conseils assez utiles quand même. On sent vraiment les gens qui s'y mettent à fond dans le jeu. Hein. Du coup, j'ai généré un petit personnage, le tout premier hein, d'ailleurs, j'ai pas eu trop besoin de m'embêter, donc je vais enlever lui, qui est normand, qui est un guerrier sain, qui est musclé, et qui a 21. Il a 30 ans. Donc ça va devenir... le commandant de mon escorte de cavaliers. Voilà, je pense qu'avec ça, bon, pour moi, il y a un seul cavalier lourd, hein, donc pour le moment, c'est pas terrible. Mais je pense que ça pourra faire un truc assez sympa. Donc, on va laisser ça ici. Alors, ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, alors, je me suis rendu compte que le comte de Rennes s'est marié matrilinéairement à la duchesse Charlotte de Champagne. Ils ont eu un enfant, ce qui fait que quand cet enfant... quand il va mourir, cet enfant va devenir comte, mais également duc de Champagne. Donc ça va partir. Donc là, pas trop de possibilités. Ça m'embête. Ça va pas être très cool, mais je vais être obligé de révoquer son titre. Donc lui, il va plus m'aimer, les autres vassaux m'ont mis de moins 15. C'est temporaire, tant pis. Mais je suis obligé. Bon, il va peut-être refuser, il va peut-être falloir que... Je pense qu'il peut refuser, mais j'ai pas le choix. Là, clairement, sinon je vais encore perdre ça, ça va partir en France. Si je déclare la guerre au duc, la France va venir. Voilà, ça va devenir compliqué, j'ai pas envie de faire ça. Donc ça, voilà. Ensuite, pour répondre aussi très rapidement à une demande qui m'a été faite de voir l'arme que j'avais forgée, qui a été volée. Alors la personne n'est plus comte, c'était l'ancien comte de Gwent, mais en recherchant dans l'historique, je l'ai retrouvé, c'est lui. Et donc effectivement, en trésor, voilà, il a cette armure-là, qui n'est pas terrible, hein, donc je me suis bien fait arnaquer, elle m'a pris beaucoup d'argent pour faire un truc de merde, et puis voilà, donc c'est ça, c'est cette fameuse arme, hein, le Duc Errant, vous voyez, découvert à l'origine par Duc Errant, que Maud m'a volé. Enfin, j'ai enfin retrouvé aussi ça, merci à Usuzuk, j'espère que je le prononce bien, je cherchais vraiment comment retrouver les plus puissants vassaux d'un roi, en fait, ça descend, enfin pouvoir voir la hiérarchie, ça se trouve ici, c'est-à-dire qu'on voit le roi, hein, donc toutes ces levées, et quand on fait plus, on voit qui sont ces vassaux les plus puissants. Donc c'est moi en premier, j'ai 42% des troupes de sa levée, ma contribution. Et ensuite on a lui, Gospadric, qui est un chef de révolte. Autant dire que lui, c'est une révolte qui est en cours, j'imagine.
Ouais, donc bon, lui malheureusement, voilà. Et ensuite on a lui, on a Aelgar. Donc je voudrais essayer d'inviter cette personne, qui est régent, qui a quand même beaucoup de choses, hein. Je suis pas sûr que ça marchera. Mais je voudrais essayer de l'inviter dans ma... Alors attendez, j'ai pas bien regardé du coup. On reprend, hop, 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 c'est qui? C'est Aelgar, il est où? Voilà, ça c'est son bûcher donc. Ok, très bien. Et donc il règne. Il est en Middlesex pour former des troupes. Oui mais bon, c'est pas grave. Son titre principal est là. Je me trompe pas, ouais, c'est ça. Donc je vais envoyer mon maître espion tisser un réseau d'espionnage. Parce que du coup, on a en bas noble encouragé à rejoindre votre faction. Donc on va essayer de l'encourager à rejoindre notre faction. On va voir si ça marche ou pas. Et enfin, donc je confirme. Alors juste pour faire un petit point aussi, hein, j'en profite, c'est vrai que ceux qui connaissent le jeu, c'est un peu gonflant, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le jeu. Donc je ne pouvais pas déclarer, ça je vous l'avais dit, une faction d'indépendance parce qu'il y en avait déjà une. Sauf que l'erreur que j'ai fait, je ne le savais pas ou plus, parce que je l'ai peut-être su, c'est que j'aurais dû la rejoindre, la précédente, parce qu'en fait, ça aurait déclenché une guerre. En fait, tous les membres de cette indépendance, quand la personne lance la demande au roi, on devient tous indépendants, enfin, on devient tous temporairement indépendants. Et ensuite, on est chacun dans une guerre différente, mais contre le même ennemi. Et tous ceux qui gagneront cette guerre deviendront indépendants. Donc le fait que j'aurais rejoint avant, j'aurais boosté encore plus de 5000 hommes la faction indépendante. Et je crois qu'il y avait au moins 4 ou 5000 personnes, donc on aurait été 10 000. Et ça aurait été intéressant. Bon, par contre, c'était sous l'ancien, avec l'ancienne duchesse et l'ancien roi. Donc entre-temps, je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu aller jusqu'au bout. Mais voilà, malheureusement, là, si bon. J'espère que des gens me rejoindront, on va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, ça a été assez long comme ça avant de démarrer. J'ai encore fait des mariages, vous allez voir des gens qui arrivent, qui s'en vont, c'est toujours pareil. Hein. Et puis, on est parti. On est parti. Voilà. Lui, je l'ai fait rejoindre ma cour, parce qu'il est pas trop mal en martial. Lui, bah, lui, c'est un commandant motivant, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Bon, il est vieux par contre, hein. Effectivement. Alice des Terres Sauvages... Je t'ai invité, toi. Oui, je l'ai invité parce qu'elle a des très très bonnes stats. Elle a une intrigue énorme. Elle est belle, elle est vivace. Elle est, par contre, voilà, c'est une courtisane, mais il va falloir que je fasse des mariages avec ces gens-là. Et puis j'ai invité aussi ce monsieur qui est pas mal en érudition. Ensuite, oui, j'ai fait un petit mariage. J'ai fait des mariages en interne avec mes personnages. Rien de bien sympa, rien de bien exceptionnel, hein, honnêtement, mais. Mais voilà, il faudrait que quelqu'un puisse épouser rapidement la dame là. Elle est où? Ah, je l'ai déjà perdue. Voilà. Elle a que 33 ans, donc elle a peut-être moyen encore de... Vite. Mais bon, il faudrait quelqu'un qui déstate pas trop mal. Bah, au pire, lui, hein, ou... Norman. Ouais, ouais, avec lui, tiens. Avec lui, avec mon général. Voilà, comme ça. Peut-être qu'il y a un bon enfant. Donc on a un emprisonnement justifié, on peut emprisonner notre femme. Vous avouerez qu'elle n'est pas exceptionnelle, donc je dirais pas forcément non, mais... Alors, parce que qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, on a toujours cette faction qui grandit, hein, pour essayer d'assassiner le roi quand même, c'est assez violent. Hein. Mais ça pourrait être une bonne occasion, si ça pouvait se faire, moi je serais pas contre. Elle veut tuer mon père. Alors non, tu ne vas pas faire ça, femme. Clairement, tu ne vas pas faire ça. Donc après, on a une trêve encore pendant quelques années avec lui, donc on ne pourra rien faire de plus. Oh bah, notre roi est en train de gagner sa guerre. Oui, bah, j'espère bien que tu avais tort. On a un poste vacant. Bah, le maréchal, oui, du coup, bah, c'était le comte de Rennes. Donc on l'a bien récupéré, hein, ça y est, c'est bon. Je vais le redonner à quelqu'un, d'ailleurs. Je vais être un peu moins aimé, hein, mais bon, ça passera. Combien de temps ça va durer? Indication au titre. D'accord, non, tu t'en fous, c'est pas à toi qu'il faut que je demande, c'est à mes... Voilà, à lui. Opinion, à révoquer des titres. Ouais, pour 5 ans, pas très... C'est bon, j'ai vraiment bien fait de le faire. Ensuite, à qui est-ce que je vais pouvoir donner ça? On va plutôt aller voir dans ma cour. Qui c'est qui est bon en intendance et qui n'a pas de titre? Ouais, moi, bien sûr. C'est qu'on en a pas tant que ça. Hein. Et bah, au pire, on va lui donner à lui.
Le comté de Rennes. Je pourrais aussi le garder, hein. Bah non, je vais le garder pour le moment. Allez, on va le garder. Après tout, pourquoi pas. Voilà, on a encore plus de troupes. Alors, bon, c'est pas complet, mais on a un beau maximum de troupes quand même, hein. C'est assez sympa. L'escorte qui va se construire petit à petit, et je vais en profiter pour construire une liste de joutes aussi, c'est ça que je voulais faire, qui va augmenter encore un peu la cavalerie lourde des troupes, et surtout l'attaque de la cavalerie lourde. Parce que quand on regarde là, où c'est que je l'avais vu? Oui, c'était sur la fenêtre d'escorte. On l'avait... Oh bah non, j'ai déjà perdu où c'était que j'ai vu ça, tiens. Ah bah c'est là, voilà. Non, c'est pas là. Oh, mais c'est incroyable, ça. Ah bah je sais plus. Si, voilà, ça y est, pardon, c'est là. Ouais, on voit bien que l'attaque est boostée par la liste de joutes 1-15%, donc le fait qu'il y aura une liste de joutes 2 sera meilleur. Après, voilà, le fait qu'il soit des chevaliers, enfin que c'est... Oui, enfin, je me comprends. Le fait que ce soit une escorte de chevaliers, voilà, ça y est, je vais y arriver, ça donne déjà un bonus. Ma technologie, etc., donc la liste de joutes, ça me paraît justifié de l'améliorer. De toute façon, on a de l'argent. Par contre, j'ai toujours pas de maréchal, oui, c'est vrai, exact. Donc pas lui, hein, du coup, on va prendre lui en maréchal, hein, il verra très bien. Voilà, est-ce qu'on fait des progrès militaires? Est-ce qu'on forme des troupes? On va former des troupes à Caen. Allez, tant pis pour les recherches militaires, mais voilà, ça peut être utile quand même. Et qu'est-ce que donne notre faction contre le roi? En tant que duc, mes occupations me laissent peu de temps, mais pour mon fils, je remuerai ciel et terre. La famille d'abord. Très bien. Qui s'occupe de mon fils? L'éducateur, c'est moi. Oh, remarquez, on en est qu'à... C'est assez jeune, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé lui mettre un tuteur. Qui serait soit bon en diplomatie, un peu bon partout. Bon, lui, il est italien, par contre. J'aurais bien aimé un normand. Ça aurait été plus sympathique. Ou elle qui est française, pourquoi pas, elle est pas trop mal hein, quand même, c'est pas parce qu'elle a des boutons de fièvre. On va la nommer, tiens. On va voir ce que ça donne. On va voir. Ouais, je peux demander mon indépendance, mais hein, clairement non. Et j'aurais bien aimé changer le maître espion, alors je sais qu'il m'aimait plutôt bien. Mais on a mieux, hein. Genre lui. 25. C'est quand même bien mieux, on devrait avoir plus de chance. Vous voyez, 46% de chance maintenant de rajouter quelqu'un contre 25% avant. Franchement, je vais le faire. Parce que ce serait bien d'avoir des soutiens supplémentaires. Voilà. Ensuite, pour les autres successions qui pourraient s'en aller, on a lui, du coup. Cela dit, bon, il a 15 ans, il suffit qu'il ait un enfant et puis ce sera réglé. Par contre, il est clair et net que elle, bah, ça va être mort, hein, parce que elle n'a personne, elle n'a pas d'enfant. Donc, au pire, lui, il aura le camp, ce sera, ouais, il est héritier d'une révolte. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner pour lui, est-ce qu'il va être, je ne sais pas, on verra bien. Mais au pire, je pourrais le reprendre très facilement. Les paysans en Rennes commencent à respecter de nouveau ma fonction. Plus jamais, je n'aurai de dette. Ouais, très bien. Pas tout ce que ça veut dire. J'avais récemment remarqué l'état déplorable de ma fable. Je me suis informé que la cause de ces douleurs, la fatigue et la grippe. Je voudrais que j'aurais bien changé de femme quand même, hein. Mais bon. Surtout qu'elle est homosexuelle. On va pas s'en occuper. On va voir. C'est un peu salaud, mais je... Honnêtement, bon. Voilà quoi. Je pense qu'il peut trouver quelqu'un de mieux que ça. Hein. Sans vouloir être méchant. Puis elle a fait qu'un seul enfant, ce sera peut-être difficile d'en faire un deuxième, faut quand même assurer derrière au cas où. Du coup, un candidat prometteur à qui nous pourrions forcer la main pour intégrer l'une de factions. Comment souhaitez-vous procéder? C'est qui lui? Demandez poliment. Donc preuve d'un peu d'imagination. Ah, je sais pas trop comment faire là. On va lui demander poliment. Mais j'ai peur que ça ne passe pas. Mais je sais pas trop ce que ça faisait l'autre. Ok, donc il a pas trop apprécié, hein, faut dire ce qui est. On va essayer de l'influencer positivement, lui donner de l'or à mon avis aussi. Allez, on va le faire. Sans l'or arrange tout hein, dans ce jeu, comme je l'ai déjà dit et redit. On gagne bien notre vie, donc...
Je ne sais pas la prochaine fois si je peux faire autre chose. J'ai jamais trop fait ça, donc... La prochaine fois, peut-être je changerai. On va voir. On va essayer de vraiment tout faire pour qu'il nous rejoigne. Ce serait vraiment cool. Donc je suis sûr que s'il lui rejoint, peut-être ça en appellera d'autres. Apprendre que le comté de Somerset se porte bien après une période de paix est une gestion... Et une gestion judicieuse me fait plaisir. Le peuple est heureux et les percepteurs apportent que les recettes sont sans précédent. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Prospérité économique. Depuis que nous régnons ici, nous les Normands, nous confions l'éducation de nos enfants à des gouvernantes saxonnes. Nos premiers mots ne sont pas du français normand, mais du saxon. Et en grandissant, nous apprenons à parler langue qui n'est ni l'une ni l'autre. Il est temps de nous approprier cette langue afin que nous puissions tous communiquer. Ah ben non, je veux pas. Ah ben je voulais pas devenir anglais, moi. Ah ben non. 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 Ah mais c'est pas vrai, hein. Evgar était content de me voir, bon on a passé du temps, ça va être sympa tout ça, mais le drame. On va faire ça, voilà, sens de la justice. Il me doit une faveur, carrément. Les enfants de Nicée, en dépit de toute sa volonté, de nombreuses tentatives pour saper son commandement inspiré par Dieu, Lorenc a été capable d'amener son armée jusqu'à Nicée. La Terre Sainte n'est plus très loin, ce qui renforce la détermination des croisés. Leur chef est certain que les infidèles n'oseront pas lever les armes contre eux. Une fois qu'ils auront réalisé leur saint mandat, ouvriront même les portes de Jérusalem. Ouais, faut peut-être pas trop rêver non plus, hein. Croisade des enfants, c'est spécial, ça. Ouais, mais alors moi, ça me pose problème, cette histoire-là. Ça me pose un gros problème. Je veux pas devenir anglais, enfin ça va pas la tête. Ouais, et en plus je sais pas du tout comment rechanger de culture. Donc avec ça, je suis pas dans la merde. Que le comté de Somerset devienne anglais, moi je suis pas contre en soi. Hein. Mais que moi je devienne anglais, par contre ça me pose problème. Ok, je peux réadopter... Ok, il faut que je monte mon prestige à au moins 500. Très bien. On va faire ça rapidement. Hein. Ah ouais, non, parce que là, faut pas déconner non plus. Il n'y a pas quelque chose qui nous permettrait de faire ça rapidement? Non. On va essayer d'écrire un théorème. Écoutez, de toute façon, c'est par rapport à notre... Je suis confronté à la tâche intimidante de rechercher et rédiger un théorème qui sera examiné par mes pairs. Être accepté par l'ordre serait une grande aubaine pour moi, mais la qualité se trouve à suivre. Si la qualité se trouve insuffisante, cela pourrait porter à mon prestige. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On peut devenir fortement ambitieux, 10% de chance, il y a peu de chance par contre, mais... Bon, on va tenter quand même, hein, il faut le faire. Par contre voilà, on perd des... Ouais, du coup, on a un titre trop grand, enfin on a trop de choses. Du coup, je vais redonner reine à quelqu'un de ma cour, hein, clairement. Ah, mon fils est sans éducation. Non, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien... Bah, militaire encore, ce sera pas pour lui. Je sais pas, plutôt la diplomatie, l'étiquette. Bon, l'étiquette, allez. Ouais, allez, on va lui accorder le titre du comté de Rennes. Il a quelqu'un ou pas? Non, il a 40 ans, il a personne. Oh, lui, il est vraiment mauvais. Les citadins, le clergé et les barons réclament tous trois le droit de récupérer les épaves qui ont fait naufrage autour de Nantes. Les droits de récupération seront attribués à... L'église, peuple ou la couronne? Alors la couronne, non. Comment tu m'aimes, toi? Pas trop. Comment tu m'aimes? Plutôt bien. Ouais, ça change pas grand chose en soi, mais allez, au peuple.
On va recruter quelqu'un de neutre, hein, pff, je sais pas... Ah, chers amis, nous avons une bête noire en commun, vous savez de qui je veux parler, le néophyte Procopio, ce misérable idiot. Savoir qu'il est un membre de notre respectable communauté me rend malade. Allons ruiner son laboratoire et voler ses secrets. Non. C'est bon, j'ai mieux à faire, hein, franchement. J'ai bien mieux à faire. Alors... organiser une... ouais... faire ça, alors ça je pense pas, par contre je vais pouvoir faire un banquet, voilà. Et donc j'ai dit, attendez, je vais mettre pause, je voudrais prendre un noble. T'es trop nul toi. C'est quoi ces nobles à deux balles? Ouais, puis je vais avoir des anglais maintenant en plus, je suis sûr. Ah bah oui, ouais, il est vraiment chantant que je rechange. Hein. Accorder un titre foncier, reine. Allez, tiens. Quand j'ai ouvert les portes, je n'ai vu personne, mais comme je me prêtais à fermer un groupe d'acrobates. Ouais, non. On enlève de l'or. Ah, mon maître espion est mort. Bah, c'est dommage, il était bon. C'est bien dommage. Allez, on recommence à tisser un réseau d'espionnage. On met de l'or encore. Perdons de l'or, c'est pas grave. Gagner du prestige. Oh, on est devenu corpulent. Oh la vache. Pff, encore une fois ce truc. Voilà, ils viennent pas, ils viennent pas. Ça vient pas. Ça vient pas. On a l'habitude. Bienvenue à mon banquet. Ah, un nouvel ordre chrétien a été fondé par un groupe de 8 chevaliers. Les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, également appelés Templiers, ont juré de protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte. Non nobis domine. Très bien. Voilà, encore un peu de prestige. Bon, c'est pas comme ça qu'on va en gagner beaucoup, beaucoup, hein, mais... Je sais que des personnes intéressantes lors du banquet, des bouteilles de vin sont visées, d'autres sont éclipsées. J'ai ouais, une bonne relation avec le bourgmestre de Guérande. Oh bah c'était celui avec qui, tiens, on a eu un bonus. Notre intendant, le comte Richard, a remarqué que la comtesse avait bu trop de vin et essayé de la dissuader en bois d'antèche quand la comtesse vomit soudainement sur ses chaussures. Ah bah bravo. hop, on a beaucoup apprécié. Voilà, ça fait pas énormément de prestige, mais un peu quand même. Alors, il me doit une faveur, je peux pas lui demander de rejoindre les factions. Il doit pouvoir rejoindre l'indépendance, doit pouvoir rejoindre au moins l'une des factions. Il peut pas. Donc maréchal, régent, désigné, régent d'Angleterre. Ah oui, il est régent en ce moment en plus. Parce que l'autre se cache. Oui, c'est vrai qu'il se cache. Hein. Il sait qu'on veut l'assassiner. C'est fini, j'ai produit un article de qualité moyenne sur la distillation. Il explore de nouvelles méthodes de processus qui pourraient permettre la création de variétés de nouveaux élixirs et chimiques. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de soumettre à mes pères hermétistes. Ouais. On va tenter quand même, c'est que moyen, je pense que ça aurait pu être mieux, mais... Désormais surnommé le juste. Au moins on récupère un peu nos petits bonus. Voilà, quelqu'un qui a décidé d'appuyer notre travail, et ben c'est pas lui qu'on allait voler là. Bon, heureusement qu'on l'a pas fait. Il appuie notre travail aussi. Il appuie notre travail aussi. Il appuie notre travail. Il appuie notre travail. Ils sont bien aimables ces gens-là. Donc on a une trêve avec l'Angleterre jusqu'à avec la Grande-Bretagne jusqu'en 1123. Très bien. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Dispute frontalière? Non. Donc il va falloir que... Et revendiquer. Ah oui, c'est vrai que j'étais en train d'en faire au Maine aussi. On va déjà faire le Maine, ouais, ça serait bien. Non, j'ai pas envie de perdre du prestige. De toute façon, il m'aime bien maintenant, hein, donc on va arrêter de l'influencer. Maintenant, on verra si. Si une réussite suffisamment de pairs ont approuvé mon papier, donc l'ordre a accepté sa bibliothèque. En conséquence, ma réputation a bien augmenté. Ah bah voilà, du prestige, du savoir ésotérique. Allez, 490 de prestige. Ouais, allez, dans 2 mois c'est bon.
Après avoir une vision de l'archange Gabriel qui l'a aidé à mener son armée sur le chemin dangereux menant à l'outre-mer, les enfants de Lorraine ont miraculeusement réussi à atteindre Antioche avant d'être opérés par les infidèles. Malgré l'affirmation du garçon selon laquelle les infidèles se détourneraient du diable dès leur arrivée et qu'il n'y aurait nul besoin de combattre, les infidèles qui occupent Jérusalem ont commencé à mobiliser leurs troupes prêtes à massacrer les âmes innocentes qui marchent vers eux afin de protéger leur terre mal acquise. Le monde verra bientôt si Lorraine a vraiment été béni par le Seigneur. Alors, il est où lui? Parce que je suis très... Ah oui, bah là, il nous montre qu'il est là. Tuteur, agent. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, il est censé mener des troupes, mais si je comprends bien, il mène pas de troupes en fait. Enfin, il est là quoi. C'est un peu bizarre leur truc. Morale faible, voix de Jésus. Ah ouais. Bah écoutez, nous verrons très prochainement. Ah, là, il y a des révoltes en France. Oups, pardon. Bon, petit à petit, notre escorte augmente. Ça, c'est bien. Technologie, on n'a rien. Au niveau des lois, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? La statue des femmes, malheureusement, non. La centralisation forte, pas spécialement. Ça, à mon avis, ils seront contre. Noblesse, bourgeoisie. Alors je négocie plus de troupes. On va attendre encore un petit peu. Je m'occuperai de ça prochainement. Comte Eudes de Vexin. Qu'est-ce qu'il fait lui? La reine d'Angleterre qui veut tuer le mec qui veut tuer le roi d'Angleterre. C'est assez drôle, ouais. Tout va bien. Il veut revendiquer le duché. Non mais il va se calmer et puis c'est tout, hein, voilà. Il veut m'offrir un siège à son conseil. Alors j'aimerais bien pour être plus près de lui, mais à mon avis, je pense que si je fais ça, je ne pourrai plus faire le reste. Donc on va refuser. Alors peut-être que pendant que lui... Peut-être pendant que lui du coup est malheureusement régent et ne peut pas rejoindre, parce que je pourrais lui demander en faveur, je vais peut-être arrêter. De voir ça avec lui et je vais prendre la deuxième personne la plus influente, on va dire. Donc c'est lui, après c'était lui et on aurait éventuellement lui aussi, Hugues. Alors Hugues, où est-ce qu'il est lui? Le duc de Gloucester, Hugues de Normandie. Très bien, à Oxford, on peut toujours essayer. Allez, Oxford, on va faire rejoindre notre faction. Ah, bah on a la naine duchesse qui a rejoint notre faction, du coup. Alors, bien que tous les hommes civilisés de la chrétienté savent que le français est la vraie langue de communication, cette nouvelle langue anglaise s'avère très commode. J'ai donc eu le gain de cause sur un membre de ma cour afin qu'elle soit adoptée pour l'emploi administratif quotidien. Non ! Arrête, punaise, non ! Je veux pas, mais je veux pas ça ! Tu vas devenir... Voilà, on va perdre 500 de prestige, ça fait très mal, hein. Mais moi, il est hors de question, on est normand, quoi. Ouais, ton fils est normand, arrête, c'est quoi ces conneries, là? Va vraiment falloir qu'on devienne indépendant, hein. On y arrive petit à petit, on va y arriver, mais bon. N'est plus mon maître espion. Très bien. Il est mort. Un désagrément de repas. Ça, c'est moche. Bretonne. Ah bah oui, c'est ma... Allez, bretonne en plus. Oh, je vais pas faire... Putain, elle a vraiment rien pour elle, hein. Maître espion, on peut pas inviter un maître espion? Mon groupe religieux, mon groupe culturel, joindre cours, oui. Maître espion. Bah, t'es italien, mais ça va pas me gêner. Allez, viens là. Hop. J'ai besoin d'un bon maître espion là. Je passe plus de temps avec ma femme. Bon, tant mieux. Hop. Voilà. Et donc, c'est Oxford. Voilà, impeccable. C'est impeccable. Du coup, 657, il faut 750. Hein. Ouais. Donc, on peut pas encore faire mieux. Donc, elle sait bien, hein, qu'elle nous ait rejoint. C'est même très très bien. Et
C'est très bien que l'autre, il me doit une faveur. Les fiancés peuvent se marier. C'est qui ça? C'est des courtisans, machin. Ouais, ouais. Je sais même pas qui c'est, mais c'est pas grave. Si vous dans la vivez dans l'harmonie, on a une femme qui nous a rejoint. Très bien. Hop, juste. Donc lui, c'est toujours le régent. Hein. Parce que lui, je vais pouvoir le forcer à venir. Et ça, ça va être cool. Sauf que pour le moment, tant que le roi se cache. Et il sait bien pourquoi il se cache. Drôle de vie, hein, quand même, ce roi. On peut rien faire de spécial, nous. C'est vrai que j'aurais pu faire un complot pour le révoquer, l'autre, le faire cache. Peut-être j'aurais pu faire ça, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est les menaces qu'on a contre nous. Réussite de la guerre djihadique. Allah a accordé la victoire au calife Mohamed III dans la guerre djihadique pour obtenir Anatolie contre le Basileus Dorothéos de l'Empire byzantin. Ah. Ouais, le terrain se réduit pour l'Empire byzantin. Clairement, ça éclate un petit peu, là. Ouais, donc faut que je fasse gaffe, parce qu'on a quand même beaucoup de factions contre nous. Alors. Lui, on va lui donner de l'or. Lui, c'est qui? Le comte de Rouen. Ah ouais. Ok. Alors, question. Qu'est-ce que t'as, toi, comme bonne stat? 12 en martial, 13 en érudition. Ah ouais, mais comme d'hab, je peux pas changer ton poste. Hein. Enfin, on peut, mais... On va le nommer maréchal. Voilà. Et on va nommer le comte de Rouen intendant. Ça m'embête, mais j'ai pas envie d'avoir des rébellions à gérer en plus du reste. Clairement, former des troupes. Et le comte de Rouen, on va aussi lui donner de l'or. Voilà, je pense que ça va le calmer de rejoindre des factions. Parfait. Voilà, les listes de joutes ont été construites. Voilà, on a re 15% de bonus, ça c'est cool. On peut même faire la niveau 3, donc on va la faire. Ça coûte de l'argent, hein, mais après tout, vous l'avez dit, hein, l'argent est là pour être dépensé. Donc, il faut le faire. Alors, les vêtements luxueux sont à la mode en ce moment. Que diriez-vous d'occuper vos courtisans en changeant la mode à la cour? On peut introduire une nouvelle mode à la cour, on gagne du prestige, perd de l'or. Ou il y a d'autres moyens de dépenser ses impôts. On peut devenir humble. Pas trop ce que ça changerait. On va le faire. Je sais pas ce que ça change. C'est peut-être un peu inutile ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. On verra bien. Hop 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 hop. Ah bah non, mais il est peut-être bien mort trop jeune lui en fait. Que du coup, eux n'est plus à moi. Alors, question. Est-ce que je peux déclarer la guerre à cette personne? Non. Au roi de Sicile, oui. Pour récupérer eux. J'aurai le duché de Poitou qui vient avec moi. On va le faire parce que voilà, il faut que je récupère ce territoire. Le duc de Poitou vient avec moi. Donc ça va faire une guerre. Hein, bon, faut qu'il débarque, hein, donc clairement je pense que ça va le faire. Ah oui, alors non, tac tac. On va mettre un point de ralliement Évreux et un point de ralliement à Kent. Voilà, ça je voulais le faire, j'ai oublié. Touk touk. Voilà. Et il va répondre à l'appel, c'est parfait. Bon, eux je vais le récupérer facilement, hein. C'est juste qu'il y a des troupes qui vont débarquer. Il y aura peut-être des alliés. Mais bon non, il est hors de question que voilà, ça reste à moi. Même si c'est pas très grand comme territoire. Pas poussé non plus. Alors, on va là. On sort des bateaux de là et de là. Parfait, pile le nombre. Non, pas pile le nombre en fait. Hop. Pas pile le nombre. On va faire ça en deux fois, on va pas se prendre la tête. Non, c'est pas ça, voilà. Bateau ici. Et vous attendez là. Hop. Alors, qu'est-ce que... Oula. Une guerre de revendication anglaise sur eux. Alors non, c'est moi d'abord.
Enfin, je sais pas, ça fait deux guerres là du coup. Mais moi ça me va, hein. De toute façon, j'y suis avant, donc normalement, c'est pour ma, c'est moi qui vais en récupérer, qui vais récupérer ça. J'espère, en tout cas. Le passage, je suis rejoint. Bon. Mais bon, je suis pas sûr qu'on avait besoin de vraiment d'aide, en fait, hein, mais... Le duc de Poitou et le roi d'Angleterre... Mais non! Mais pourquoi? Je suis considéré comme un ennemi? Non, il va juste attaquer le duc de Poitou, quoi. Mais mon allié! Je ne comprends rien. Je peux monter en grade dans la société? Eh ben, on va le faire. On va pas débloquer ce rang. Peut-être qu'il y a une demande officielle qui va être faite, je ne sais pas. Je pourrais tenter un assaut pour prendre le truc, mais je sais pas si ça va être nécessaire ou pas. Bah, en tout cas, il est venu choper les... Ah non, non. Ah non, non, c'est eux qui... Non. Mince. C'est bon, j'ai pu gravir un échelon, mais pardon. Ouais, non, je me suis fait attaquer mes cavaliers, là. Ok. Bon, bah, ils m'ont one-shot... Ils m'ont stack wipe mon escorte. J'ai pas fait gaffe. J'ai carrément pas fait gaffe. C'est pas grave, on va la refaire, hein, mais on va attendre la fin par contre du conflit. On va la refaire, c'est pas très grave. Fait chier, mais on va la refaire. Dès que j'ai pris ça, je vais aller les attaquer. Hein. Mon frère de l'ordre hermétique William a avancé l'idée d'un rituel qui pourrait invoquer la présence d'un être divin. La perspective de susciter le divin pour obtenir un savoir est attirante et l'idée a donc été reçue en enthousiaste par l'ordre. Cette option est disponible parce que vous avez un ingrédient dans votre trésor. Ça peut améliorer notre expérience. On va le faire. Par contre, on va prendre lui. Ensuite, lui. Et en troisième, on va prendre lui. Dès que le territoire a commencé à être pris, voilà, j'espère qu'il est bien à nous. Par contre, on va aller prendre ça. Ah non, mais c'est ça, c'est par contre, c'est chiant. Oh, et puis tout en même temps, là, ça y est, punaise, ça commence. Bon, je vais arrêter l'épisode là sur ce gros Bronx parce qu'il va être trop long sinon. Je suis désolé, parce que du coup, j'avais prévu de l'arrêter juste avant et puis bah, je me suis fait prendre au piège. Bon, bah, on verra ça dans 48 heures du coup. Enfin, pour vous, dans 48 heures sur ce qu'il en est. Pour moi, ça va être tout de suite. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, bah, je vous dis donc à dans 2 jours. Portez-vous bien d'ici là. Et encore merci à tous.